ni da pene mau e ale sike mi okata mi ga le tapumodin desia ya be mi aga adogbeda be fasi be amesia me fonyu desia ye mau banami agbogbogbo le consia de capo mozozome e amen be vane webe amesio kata le kagodo podo kamowa mau pa men be vane obo wakata wado kame Aye oto kamera do vo mau ne yira mesia mesike ano konete a mau ne yira kata aleva lesike mise ni chope agbenya vayi e odonu semila yega se maunya yeye bu beke sike agba adonu semi e awomi yeye ni chomi se maunya de menyebe ni kata mi dun kuji vo ke nuula e be le musia nmela ni agblobenka e nyonam le apetola me Maunya kata ve nuwa kata le yi se so kata le nusia nume la Nya blo ple fwa sebe e nyonam le apeton la me Ndesia la edaga nyonami le apeton la me Aga nyonami wu le apeton la me E aga we wu nenema Ta mau ne ve nye ple wu ndesia Que Dieu nous fasse grâce ce matin afin que son nom soit encore béni au milieu de nous Au nom de Jésus. Ne mi sokbela ni akata mi adetagu eye ni adogbeda atogomije agbele mope asime. Fiamma vo mau Yesu Kristo ye jive ni adakpe non desia. Le Yesu Kristo pon kom. Amen ve ne ga na mi de sabe ni aga yo won ko. Ye na ga se ni akom de sias. Ye ji mi aga pe no de considerable bo aga ta me. Ne ba klo mi le ke ke considera ka ta me ke ke adresse am ka ta la wa si ba no mi aji. Wa men ve ve no mi aji. Ne me pon no vinye so ka ta pe fo fo yu da da so ka ta le ka di de sia. Et mon gars, pour vous, vous pouvez dire que vous avez dit 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 que vous avez Be mio mia pe nye nye la wa yito. Alebo won se sike bubu nanu. Won se sike ho nanu. Won se sike kaka nanu. De won chike won se sike henanu chi papa nana. Won se ma wago woy pe dole mia to mi desia. Le Yesu Kristo ben kome. Ni mate onane ke no mopo bobo me le mou. Ya ta nye te ya pe no. Le si o katata. Tia ma po va o lupe bando. Va kwa nye no la. Va kwa nye no. Le mau nyame. Le subosubo me, l'adoration me, le louange me, le manya se se me, va fwanyino, va fwanyino, va fwanyino. Ale nyon de sike le kabumadine de siya yewa, d'akodo tine yi se 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 keme toune. Mchule sike le mokopoti, be maune tro wakboyine yine ya, be dwintino avant de siya. Ba mesye me devi se devi sike le kogon, oh, yito ne wadane na ya, be mauna to manya di. Ne voyez de vie man desia le Yesu Kristo ben comme et vous avez pour manu mi matona de cola abu va tonu va jando et vous voit neja wa klom sem sike nous vont plein nous ibokata tola le miati al bonu popo vala wa va be akala ne wa va be ibokene ni wa ni ya na ni le miati amen in Jesus name akuna be sokata vem plein nous là Amen. 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 Yeah.
Tu vas élever ta voix, tu vas remercier Dieu du fond de ton cœur pour lui dire merci. 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 Hey, Mike, back with that.
Peut-être tu pas que me dire, tu pas que me dire, parce qu'il n'y a pas que me dire, ça n'est pas que me dire, on ne dit pas que me dire, au cas de moi que me dire, remercie Dieu pour la vie de notre frère Valentin, remercie Dieu pour sa vie, remercie Dieu pour la vie de notre soeur, et donc, pour les cimer, et nous ensemble, avec la casse là, il y a tout le monde, au cas de moi que me dire, il y a tout le monde, il y a tout le monde, les matchs de soi, il y a tout le monde, il y a tout le monde, le Dijon, il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tout le monde, d'accueillement la paix, ton enfant de gars, d'accueillement pour soi, le vieux Kata Pagbeta, oh, d'accueillement maman, Cécile Pagbeta, Kata Chitil Pagbeta, d'accueillement le gars, d'accueillement les salles Pagbeta, d'accueillement le vieux Kata Pagbeta, les gens qui sont venus comme eux, d'accueillement le vieux Kata Pagbeta, Jesus name. Ulata Yehame Wame Yesu Ulata Ulata Yehame Wame Yesu Oh.
Commence par confesser tes péchés. Demande à Dieu de te laver de toutes tes iniquités, de tout péché que tu as commis envers lui, envers le Saint-Esprit tout au long de cette semaine. Mais dans tout cela, il t'a veillé, il t'a béni, il t'a protégé. Malgré que tu as péché, voilà pourquoi tu vas confesser tes péchés, demander à ce que le Saint-Esprit, à ce que le sang puisse te laver au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons demander et nous allons prier à ce que le Saint-Esprit travaille au milieu de nous. À ce que le Saint-Esprit puisse travailler sur le prédicateur. À ce que le Saint-Esprit puisse utiliser le prédicateur. À ce que le Saint-Esprit puisse régner et faire vivre ces miracles au milieu de nous. Abiyabe mawu gogone ododo mawnya gloji mawu gogone de nkunu do le mia tome mawu gogone de ton de go le mia tome. Oh gogo kwi iwa Et
tes fesses et amène le haut pour garder au toit. On est cerné au dos. 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 En chacun un don. Mauton nana demio katamia melekaji. Mauton nana demio katamia me. Eton nana de frère Bignome. Eton nana de frère Maulime. Eton nana de tata Geneme. Eton nana de Evocaseme. Eton nana de Hildame. Eton nana de demio katamia me. Gakela, elle a l'ordon. Yadou Berandi Sabie Roua Mau. Nana de Sasikele ton demenye le Maume. Il la l'ordon le menya. Nena de ko la mela anyi ganam
Anya ya Kristo ba mea, anya ya ni modern cha kata ata do grand desia. Na na sika cho des ro nyu mea, des ro nyu mea, alo le bio mea, alo fro nyu mea, alo fre e fre cho nyu mea, alo fre binyo mea, alo fre ba u mea, alo fre Christophe mea, alo Francisca mea, alo Hilda mea, alo fre Matt mea, alo kata chile mea, alo me kame o, dabo ade le go, 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 Jesus name. Les dons de prophétie, les dons de miracle. Oh, pour le Jésus Christ au bon commun. Je vois à Benola. Bishokata en Veme. Nous kata mille bishokata donalo. Mille dona la bena hamia dolachi. Mille dona la bena. Ne don de Regola, prophète toi de Gaulle Miamé. Amegaou a to, anamis a nos sagesse. Ce que nous n'amis conseil Gaulle, et Hamea a yiko. Amegaou, si vous êtes le gamme, nous n'amis conseil rea, nous misons le conseil à dire maou de me bé, et nous n'a conseil à la, conseil à l'ikre, et y a tchekou. De vieux a réussi le Miamé. Et Hamela, à trois ans, et organisation, alors entreprise de nez, et donc Hamela, de l'école, Hamela. Le Jésus Christ, au point commun. Chaque dimanche, à midi, dans le dos, Bessera, ne demande de l'école, faut casser, mais, et demande de l'école, Ridame, et demande de l'école, frère Maulime, et demande de l'école, et frère Mignome, et tu n'aimes mieux qu'à ta mère, faut qu'on filme. À quoi les sikhs nous kuno adjora? Elle les mia me fort. Allez sikhs wa adjora mia on doit adassi. Ma on ne fait mia non. J'ai mia j'ai mia donc beda mida au voyage de. Dura Grisboro. Mida donc beda desia. À ton voyage à Qatar. À ton bon passé. Pas mes sims qui a été pour moi. Le bobo kata un que masique ya fara le conseil simida tia ma ou ne pomme yo kata nyata amerique peut ta makro ni masse be job fo ne job ce que ya ba que money le bois ni masse be do patakou patare que va ou ni masse ba si da patava ou bois me de ou ni masse be vo ne que va lo ensemble ram ya mo ni pour mi roi tout be sada ale mio kata la. Il y a gardé, il y a non, il y a. Mais c'est moi qui ai un job. Mais dans le bédou, le ciel a bé, et tu as un job, il y a un job. Voilà le doux bédou, il y a un job, c'est que bonheur. Il y a des coucou. Il y a un job, il y a un job, il y a un job. Il y a un job, il y a un job. Et Jésus Christ, au point comme. Doux bédou. Le voyage a dit. Les conseillers Katame, mais mon nez combien t'as le voyage, ça c'est que le don. Les vieux Katas, si vous êtes là, nous tchota, non mouta. Le voyage que nous allons effectuer vers Grisboro. Le dimanche qui va venir, que Dieu puisse nous garder tout au long de la semaine. Et que tout accident, nous remettons le chauffeur dans la main du Saint-Esprit. Nous remettons tous les enfants, tous les hommes,
tous les pas, toutes les pas au milieu de nous. Nous confions nous ensemble, au nom de Jésus, que Dieu puisse nous garder. Que le Saint-Esprit descende et que les anges soient à notre côté. Jesus name. Et vous, Les dormés. Il y a mis le mot aujourd'hui. Maou n'est pas bien. Il y a mis la messe.
Même Yoha, il y a pas de retraite, mais il y a bénéficié, bénéfice sur Qatar les sociales, mais l'Amérique Asia, bénéfice sur Qatar les retraites, mais à Bémia, non, il y a bénéficié. Il y a pas de Qatar le haut, les caisses, à Mélette Pema. À Ménébé, il y a un libé, il y a un appel, il y a une retraite, mais il y a bénéficié, social sur Qatar, il y a bénéficié, les mecs. Et moi, maintenant, mais n'est pas du tout, il y a dit, ah, donc, vous êtes sur Qatar, à tu social, mais. Madame Yadio, mon femme, à nos premiers cata, Damien Dapé de Mau, les miens vous puissent pas bêta, les yeux sont plus de bon commun. Dapé, le monde est gagné à nous, on va te bénéficier. Une question à ta cotonnière, on te bénéficie, on a la ligne basse à dire, les yeux sont plus de bon commun. Si con mi adufo, tolla di voodoo.
mighty name of Jesus. Amen. We beseech you, O Lord. Amen. Your grace into our heart, amen. That into whom the incarnation of Christ, amen. That your son that was made known by the message of an amen. Angel came to pass. And he came on this land to save humanity. Amen. I thank you, glory. Jehovah Nissi, Jehovah El Shaddai, Jehovah Adonai. Amen. I raise up my hands unto the heavens, amen. And say, thank you, Jesus. Amen. Thank you for all prayers, Lord Jesus. Amen. Thank you for all you have done. Amen. Thank you for all you are doing. Amen. And thank you for all you will be doing. Amen. For the glory of thy holy name. Then we have come unto your praise. We thanksgiving and unto your God. We praise you. Ask you our Father, our eternal Father, so shall we have eternal life. We shall grow in the spirit and walk in the light of your name. Amen. Father, into your glory we shall come and render praises unto your holy name. That no weapon passed against us shall prosper, and every tongue that shall rise against us in judgment shall be condemned. Amen. For you say you shall set the table before us in the presence of your enemies, but only our eyes shall behold and see the reward of the wicked. He said, 1,000 before at our side, yes. 10,000 at our right hand, yes. But it shall not come near us. Only our eyes shall see the reward of the wicked. Abba, Father, we glorify your holy name. We thank you for putting the pregnant women into the cage. The ones that are due, the ones that will be due. That, Father, for you said the seed before they will be conceived, you know them. And you know what they will be doing. Now, the mothers that are carrying it, Father, Lord Jesus, it is a vessel. Therefore, let your grace, your unction be unto them. Be upon them. That, Father, no standard set against them shall come to pass. Any fury that they have been shot against them shall be backfired. Glory be unto them, holy name, Father. The sick are in thy care. I wish them speedy recovery. Those that have traveled, I wish them traveling mercy. Amen. Even, Father, the congregation, Father, every Tom, Dick, and Harry, every head, every children, everything, every father, everyone in this congregation, Father, I say, we shall see your glory. Amen. We shall grow from strength Amen. To strength. We shall Jesus be the head Amen. And not the tail. We yeah. shall be the victory. Yes. We shall be the victorious and not Amen. The victim. I thank you, Father. I praise your holy name. I adore you. I commit today's sermon into the kingdom. That anything that we make it unto your presence, for you say, do not forget the assembly of the saints. Therefore, we shall come and hold our hands and render praises unto your holy name. Therefore, the beginning, the continuation, and the end of this sermon is in thy kingdom. Father, be with it. Come into our heart and sit before it. Be, let your spirit, let your Holy Spirit, let your angels guide us. Jesus. Father, the coming week is in thy care also. The beginning, the continuation, and the end is in thy care. Our job is in thy care. Everything that we shall touch shall be blessed. Amen. Father, what we do, what we say, Amen. Father, let it be guided by you. Amen. Father, forgive us of our sins and grant us peace in our heart. Thank you, Father. Amen. Thank you for the life of our families, Baba. Amen. Father, the struggle that we are going through over here, for our labor shall never be in vain. Amen. We shall see and we shall always be victorious. Amen. Thank you, Jesus, for it is done. Amen. It is settled. Amen. It is being Amen. Finished with the blood of the Lamb. Amen. Jesus' mighty name, I pray. Amen. 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 Okay, me that Akbenema Ode, Rame Akatan, Fe, Akbagbajite, Play, Bidoro Katan, Akatan, Fe, Juno Nola, Ele Moussen Dumi Okatan, Le Christo Me. Takpe, Maoune, Donse Hamea, Donse Amesu Katabale Kone, Tindisya, Maouba Le Don, Le Mia Dumi, Maoune Don, Le Mia Dumi, Osele No Mia Si, Na Yase Se Pouhan La, Osele No Mia Si, E Mia No Boblo En Sebe, Anyona Mi La Puto La Me Godo, Takpe. Nya cho beana nya an nya no view nya view a cho ope mau nya avanami. Ah ok, nous allons donner la parole aux enfants parmi nous de nous envoyer ce qu'ils ont préparé pour une prédication. Merci. Good morning everyone. Good morning. Good morning. Today's reading is from Luke chapter 11, verse 1 to 10. Again, Luke chapter 11, verse 1 to 10. Let's say, one day Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, teach us to pray as John taught his disciples. He said to them, when you pray, say, Father, Allah be your name, your kingdom come. Give us each day our daily bread. Forgive us our sin, for we also forgive
everyone who sins against us, and lead us not into temptation. Then Jesus said to them, suppose you have a friend, and you go to him at midnight, and say, friend, lend me three loaves of bread. A friend of mine on a journey has come to me, and I have no food to offer him. And suppose the one inside answered, don't bother me. The door is already locked, and my children and I are in bed. I can't get up and give you anything. I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity, he will surely get up and give you as much as you need. So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks, receives. The one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Amen. Amen. Today's lesson, verse 9 says, so I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. God wants us to ask. He wants us to seek and knock. Whatever we are looking for, he wants us to go to him. There's nothing too little or too big for him. Last week during vacation Bible school, we learned the Lord's prayers every day. We learned the Lord. This was so that we as children who learn to pray. That is what Jesus is teaching us in this verse. If you want to speak to God and don't know how to, say the Lord's Prayer. We did this in practice so that we could communicate with him. Just like he said in verse 9 and also in Matthew chapter 7, verse 7 and 8. Ask and it will be given to you. Speak and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks, receives. And the one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Amen. Amen. Thank you so much. God bless you. Yes. Good job. Thank you. Good job, man. Awesome. Yeah, no, we can actually more than I le anglais, mais notre frère, tu ne vas pas lire la parole de Dieu en anglais. Merci. Alléluia. Amen. Today, our scripture reading is taken from the book of Habakkuk in the Old Testament. Habakkuk chapter 2, verses 1 to 4. Habakkuk 2, 1 to 4. The Lord's answer to Habakkuk. Verse 1. I will climb my watchtower and wait to see what the Lord tell me to say and what answer he will give to my complaint. The Lord gave me this answer. Write down clearly on clay tablets what I reveal to you so that it can be read at a glance. Put it in writing because it is not yet time for it to come true. By the time is coming, quickly, what I show you will come true. It may seem slow in coming, but wait for it. It will certainly take place. It will not be delayed. And this is the message. Those who are evil will not survive, but those who are righteous will live because they are faithful to God. Amen. 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 Nyakle ko fe mawo nyale Habakkuk fe agbale na o de mawo nyale Habakkuk fe agbale danse toke de banko ye hamenni ati nyalabe matiti trede ye betakopela eye matore kupupula dami mano njo ne makonya si wagblo to dinye Nyasi, Magbolo ne ekamunam. Eye, Yehoa don't eunambe, Mulo mte galabi,
Eye na dede pe gbaja udi waje waje nue. Alebe amesi kogbe di le eklem la na te akle bobwe. E la vena asambeli na mtegala. Eye epe nuwo le ape tun kaba kaba. Eye maflu amepo. Ne eti mebe ran la no esi nupo. E la vena elle aime vague coco. Ma rede me beko. Pon a messi danalada. Nous jojo ware kemele e yama me po. Ke a me jojo yako nu te po. Anna wano. Amen. Amen. Rame blibo lana kwere jiple hati. Alafa ato bla evvo de. Cantique numéro 526. 526. Ne ma ouf, mi fa fa yo, nye di me. Ekem ne nye di ano hajim le kose me be. Enyonam le apetolam. Enyonam, enyonam, enyonam le apetolam. Hadidi alafa ato, blave vode, boku bato, veliak le tole ale titre.
Mes bien-aimés en Christ, aujourd'hui nous allons lire dans le livre du prophète Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, du premier verset au quatrième verset. Le livre du prophète Habakkuk, chapitre 2, du premier verset au quatrième. Ainsi dit la parole de Dieu. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Amen. 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 Et il y en a qui me connaît. Pour ce qui est mort, c'est que Diabé. Et nous, il nous dit, Benoît, va me là, et il y a Vaname. Nous, il nous dit, Benoît, Jola, et il y a Jola. De quel me Jona, c'est que Ménial. Némia fond l'indicia. Néo Agbe Bobona, Kirimia Melindicia. Et il y a mis à titre, il y a un peu sabordi. Et il y a réussi à venir du port de la Nyale le Mbouombe. Et il dit, il y a un peu de temps, 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 il Et vous direz, et vous direz, Nazia. Et il y a des gens qui ont été en train de se faire, mais ils ont été en train de se faire. Mais ils ont été en train de se faire. Et là, laissez-moi dire que vous avez été en train de se faire. Mais il y a des pièces qui ont été problème là. Et vous avez été en train de se faire. Mais vous avez été en train de se Ne au passé, tu au plein, on connaît capital, mais nous boire. Quand il y a bien mien, mais de temps, si tu vois, il y a deux problèmes, mais là, mien, vous battez, il y a d'autres, non. Et il y a un mot à vous boire, à vous mettre. Et il y a bien, il y a bien, nous, si à nous le beau. Et il y a bien, il y a bien, de que me laisser que la thème à brûler, nous, si à nous le beau. Et la belle, nous, si on y a mis le papa, on a le beau, il y a un peu de rôle. Azo. Et n'y a si haut à tonia boa. Ma tonia peu n'yam. Mion m'y en a le cœur. N'y m'y a bel, n'y m'y des soupaux. N'y y a mêlé ta boue. Eh, ouya, et ouya n'a n'ya. Yesaya met des soupaux n'en est n'ya. Petro met des soupaux n'en est n'ya. Moi se met des soupaux n'en est n'ya. Et y'a ou auto. Nous sommes tous les biens. On n'a pas son dos au socata ou d'un et y a des hommes qui ont amené gagné. Et y a tant. Oh bobo. Est-ce que clairer à Nyassa menam? Oh bobo, c'est que clairer nous n'y a menamia. Bobo man a clairé n'yam. Et y a quoi de nous gaka au socata de n'yam? Quoi de nous gaka de nous? Mais toi, on y aura. T'étais mieux là. N'y a pas de yo. Et y'a ta wonya si ki a tokola. N'en a de yo. Le Christ vient son comme.
Mes bien-aimés en Christ, bienvenue dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons faire un petit enseignement dans le livre du prophète Habakkuk. Habakkuk fait partie des 12 prophètes mineurs de la Bible. Habakkuk n'a pas un tel grand nom, mais il a écrit un livre. Il n'a pas écrit beaucoup de livres. Il a écrit seulement un seul livre. Et le livre que Habakkuk a écrit est subdivisé en 3 chapitres seulement. Et dans le premier chapitre, Habakkuk exprimait sa détresse à Dieu. Comment Habakkuk voyait les peuples chaldéens, les Babyloniens qui sont prêts à envahir le royaume de Juda, dont lui-même il est issu. Habakkuk priait Dieu, il pleurait à Dieu et demandait à Dieu, comment est-ce que Dieu peut accepter, comment Dieu peut permettre aux méchants de détruire son pays. Dans le chapitre 1, nous voyons les lamentations, nous voyons la prière de supplication de Habakkuk dans son livre au chapitre 1. Au chapitre 2, nous voyons que Habakkuk, après sa prière, Dieu a parlé et Dieu lui demande d'être calme, d'être patient et d'être fidèle. Que le moment venu, ce qu'il a dit s'accomplira. Et Dieu dit que ça s'accomplira certainement. Ça ne manquera pas. Et le chapitre 3, la Bible nous dit, le livre du prophète Habakkuk, chapitre 3, là-bas, Habakkuk a écrit un psaume poétique pour rendre gloire à Dieu, pour louer Dieu. C'est ainsi que celui dont nous parlons, le prophète Habakkuk, c'est ainsi en récapitulatif son livre subdivisé en 3 chapitres. Mais bien aimé en Christ, je voulais d'abord tirer votre attention sur quelque chose de primordial. Et ce que je voulais vous dire, c'est que vous devez savoir que Dieu, le grand Dieu, Créateur du ciel et de la terre. La terre avec tout ce qu'elle constitue. Il est le seul et unique créateur. Dieu ne marche pas selon nous, notre agenda. Et Dieu ne fonctionne pas sur notre programme. C'est lui qui décide sur nous. C'est lui qui fait tout sur nous. C'est lui qui planifie tout sur nous. Qui sont ses enfants. Il est le Dieu potenteur. Il est le Dieu tout-puissant. Et il sait quoi faire avec quelqu'un. Il sait quoi donner à quelqu'un. Au moment, à quel moment, à quel temps, lui seul, il tient. Lui seul, il sait et lui seul détient ça, les secrets. Tout de même, la Bible nous dit que, dans le livre de Amos, la Bible nous dit que il ne fait rien quand même sans l'avoir révélé à son serviteur, le prophète. Mais bien aimé en Christ, la Bible nous dit, dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, le verset 39 déjà, nous dit que Dieu dit ceci, « Sachez que je suis Dieu. Il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre, je fais mourir. Je bénis et je guéris. » Donc, il est le Dieu, Dieu. Il est le Dieu qui donne la mort. Il est le Dieu
qui bénit, il est le Dieu qui guérit. C'est pourquoi nous devons nous confier à lui, parce que tout ce que nous sommes, tout ce que nous deviendrons, tout cela est dans la main de notre Dieu. Si nous devons avoir la bénédiction, c'est dans la main de notre Seigneur. Si nous devons avoir la guérison, c'est dans sa main. Et si nous devons avoir la vie, c'est dans sa main. Il est au contrôle de tout. Et sachez très bien que rien ne lui échappe. Mais bien-aimés en Christ, lorsque nous lisons le livre de Habakkuk, que dit Habakkuk? Le chapitre 1, le premier verset, il dit, « J'étais à mon pouce et je tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que les ténèbres me diraient et ce que je répliquerai après ma plainte. » Habakkuk, après sa prière, Habakkuk faisait toujours la garde, il est toujours sur la tour en train de voir comment Dieu va réagir à sa plainte. Donc, nous voyons très bien que Habakkuk ici, Habakkuk a exprimé sa patience à la réponse de Dieu. Habakkuk dit que j'attends pour voir ce que l'Éternel me dira. Après sa prière, Habakkuk est dans une phase d'attente. Il attend la réaction de Dieu, ce que Dieu lui dira. Il attend pour écouter la voix de Dieu. Et il est fidèle pour dire qu'il attend comment Dieu va se manifester dans sa grandeur pour répondre à ses supplications. C'est ici que je tire la thématique de mon enseignement intitulé « La patience et la fidélité dans l'épreuve ». C'est le chapitre B de l'autre chapitre que nous avons fait le dimanche passé. Le dimanche passé, nous avions vu la foi dans l'épreuve. Aujourd'hui, c'est la patience et la fidélité dans l'épreuve. Mais bien-aimés en Christ, lorsque nous lisons le livre de 1 Samuel chapitre 1, à partir du premier verset, la Bible nous parle d'un serviteur de Dieu, un homme qu'on appelle Elkana. C'est un adorateur. Elkana, la Bible nous dit, il a deux femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pélina. Dans cette famille, dans ce foyer conjugal, Pélina a fait des enfants. Sa épouse n'en a point. Mais pour n'avoir pas fait d'enfant, Pélina, à chaque temps, envoyait des insultes, des injures, des propos diffamatoires, des propos malveillants à l'encontre de sa épouse Anne. Pourquoi? Parce que Dieu l'a rendue stérile. Et Anne était dans ça. Anne manifestait toujours de l'amertume, de la détresse. Et chaque jour, Anne pleurait parce que les insultes la dépassaient. Elle ne supportait plus. Elle est stérile. Elle ne donnait pas d'enfants. Sa épouse donnait d'enfants. Et la Bible dit, elle a donné des enfants. Ce qui voudrait dire que fille comme garçon, elle a donné beaucoup. Mais sa épouse n'en a même pas un seul. Et la Bible nous dit que chaque année, cette famille se rendait à Silo. Là-bas, c'est comme ils font du pèlerinage. Ils adoraient Dieu là-bas. Et le mari, Elkana, il faisait des sacrifices à Dieu là-bas. Chaque année, cela se répétait. Anne priait toujours Dieu. Anne demandait à Dieu de venir à son secours, de lui donner, de se rappeler, de se souvenir de lui, en lui donnant un enfant. Mais jamais cela n'arrivait pas. Et les injures continuaient. Et les propos péjoratifs continuaient à son encontre. Et toujours, c'est des pleurs dans son âme. C'était terrible pour cette dame.
un jour, une autre année encore aller à Silo, là-bas encore, pour adorer Dieu. Là-bas, les pleurs, l'amertume que cette femme a dans son âme a fait qu'elle n'a pas mangé. Elle ne fait que pleurer. Et dans le temple, elle s'est tenue debout. Et la Bible dit que Anne a exprimé sa douleur à Dieu. Elle a demandé à Dieu d'avoir pitié d'elle. Elle a supplié Dieu de lui accorder un enfant, que ça soit mal, ça soit un mal, et il va le donner en retour à lui. Mais Anne a pris beaucoup de temps pour prier. Anne a pris beaucoup de temps pour supplier Dieu dans cette épreuve. Et elle pleurait jusqu'à le sacrificateur Élie la regardait et le sacrificateur le dit. Chez le sacrificateur ne voyait pas Anne en train de prier parce que quand je prie, je vais sortir le verbe, je vais sortir la parole. Mais Anne ne fait pas sortir la parole, elle ne fait pas sortir le verbe. Seulement qu'on voit que ses lèvres sont en train de bouger. Et le sacrificateur lui demandait, Anne, jusqu'à quand ce sera-t-il d'être dans l'ivresse? Et la dame lui disait que je ne suis pas ivre. Je suis en train d'exprimer la douleur qui gangrène mon âme à Dieu. Et l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie, et lui disait, va en paix. Et que l'Éternel, Dieu d'Israël, a exaucé ta prière. Et la Bible nous dit que Anne a quitté là-bas pour se rendre encore dans son pays. Et là, quelques mois plus tard, Anne est tombée enceinte. Anne a conçu un garçon dont le nom est Samuel. Qu'est-ce que je voulais vous dire ici? Qu'est-ce que je voulais enseigner ici? Dans cette épreuve de stérilité que traverse Anne, Anne n'a jamais cessé de prier. Anne priait, elle priait, elle continuait de prier, malgré les pleurs, malgré les douleurs qu'elle ressentait, elle continuait toujours pas à prier. Pourquoi? Parce que si nous lisons dans le livre de Exode, le chapitre 23, le verset 6, la Bible nous dit quelque chose de si important. Elle dit, Dieu dit qu'en Israël, il n'y aura pas de femme stérile. Mais, regardez bien, Anne est de ce peuple d'Israël. Et voilà que Anne est stérile. Anne ne donne pas d'enfant. Mais il y a une promesse de Dieu qui pesait sur le peuple d'Israël. Que sur ce peuple, dans ce peuple, il n'y aura pas de femme stérile. Donc, Anne savait très bien qu'il y a une promesse de Dieu sur elle qui dit que Anne ne sera jamais stérile. Et Anne tient à cette promesse. Anne est liée à cette promesse de Dieu. Et quand elle priait, Anne se rappelait de la promesse là que tu as promis. C'est toi qui as promis. Et c'est toi qui avais dit qu'il n'y aura pas de femme stérile. Pourquoi moi je suis stérile? Pourquoi tu m'as rendu stérile? Elle continue toujours dans cette prière. Ce que nous allons observer chez Anne, nous allons observer que Anne a gardé la patience malgré le problème coriace qu'elle est en train de traverser. Anne a gardé toujours sa patience. Je vous dis, la patience et la fidélité dans l'épreuve. Anne ne s'est pas détournée de la voix de Dieu. Anne ne s'est pas dit, ah, je suis fatiguée, maintenant je vais tourner vers les idoles. Je vais tourner vers les idoles de Baal pour adorer Baal, pour que Baal me donne d'enfants. Anne ne l'a pas fait. Anne se rappelle toujours de la promesse de Dieu, que Dieu lui donnera un enfant. Et elle tient toujours à cette promesse. Mais bien aimé à Christ, lorsque vous patientez, vous allez écouter la voix de Dieu.
La voix de Dieu va vous parler. Toute personne, tout enfant de Dieu qui patiente dans n'importe quelle situation, elle est en train de traverser, écoute toujours la voix de Dieu. Et regardez bien, regardez ceci. Quand Anne a fini de prier, Dieu a parlé à travers le prophète Élie que ta prière est exaucée. Lorsque vous gardez la patience, Dieu vous parle. Et lorsque vous gardez la fidélité, vous allez voir que Dieu va manifester sa grandeur pour l'accomplissement de sa promesse sur votre vie, pour l'accomplissement de sa prophétie sur votre vie. Votre Amen. Dieu va faire réaliser sa prophétie sur votre vie lorsque vous patientez, lorsque vous êtes fidèle à lui. Parce que Dieu tient à la patience et à la fidélité. Et c'est pourquoi, quand Habakkuk lui, Habakkuk pleurait, Habakkuk priait, Habakkuk le suppliait et disait que, écoutons le verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur tes tables afin qu'on la lise pour Ama. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Mais bien aimé en Christ, maintenant, quand Habakkuk, le prophète, a prié de demander la grâce de Dieu, a prié de demander l'intervention de Dieu, Dieu, dans sa patience, puisque Habakkuk dit que moi je suis patient, j'attends ce que toi, Dieu, tu feras. Mais dans cette patience, Dieu doit parler à Habakkuk. Et Dieu lui parla en lui disant que cette prophétie dont le temps est déjà fixé pour cette prophétie. Vous savez, ce que vous devez savoir, c'est que c'est seulement en Dieu, quand il y a une prophétie, Dieu fixe en même temps le temps de l'accomplissement de la prophétie. Parce que quoi? Il est le Dieu, l'alpha et l'oméga. Donc, lorsqu'il attend l'alpha, il prépare en même temps l'oméga. Et c'est en cela qu'il est le Dieu véritable. Que le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. La Bible nous dit, dans Nombre chapitre 23, la Bible nous dit que il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Et la Bible demande ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il n'est pas un homme pour mentir. Et c'est pourquoi toute prophétie de Dieu sur votre vie doit s'accomplir. Et va s'accomplir. Ça s'accomplira. Ça ne mentira pas. Et la Bible nous dit que ça va se complétiser, ça va s'accomplir. Et la Bible nous donne la certitude que ça s'accomplira certainement. Ça, c'est une certitude que nous avons. C'est une certitude que ça s'accomplira certainement. Mais bien aimé en Christ, gardez toujours votre patience. Soyez toujours fidèles à Dieu. Et vous verrez que Dieu va vous parler. Et après vous avoir parlé, vous allez voir la manifestation dans l'accomplissement de la promesse, de la prophétie de Dieu dans votre vie. Prenez le cas d'Abraham. Combien d'années Abraham était dans la promesse de Dieu? Est-ce que cette promesse ne s'était-elle pas réalisée? Ça s'est réalisé. La promesse de Dieu, ça s'est réalisé. Vous aurez un enfant. Déjà à l'âge de 20 ans, la promesse était déjà là. Et le mariage a continué. Après 30 ans, après 50 ans, après 50 ans, Sarah a conçu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia, louons-le, Alléluia. Même à 90 ans, Sarah, elle a conçu miraculeusement. Personne n'a cru.
mais il a conçu. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que, le verset 4 nous dit que, mais le juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Vous savez, quoi qu'il arrive ou quoi qu'il en soit, vous êtes des justes. Vous devez le savoir. Pourquoi vous êtes des justes? Parce que vous avez été déjà justifiés. Quand Dieu vous a appelé, automatiquement, il vous a justifié. Parce qu'aucune condamnation ne pèse sur vous. Maintenant, la Bible dit que vous, là, quel que soit le niveau de l'épreuve que vous traversez, vous vivrez du temps par la foi. Mais bien-aimés en Christ, ce message ne serait pas long aujourd'hui. Car le temps aussi court derrière nous. Nous allons faire ça aussi, le résumé en hébreu. Donc, ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui, la patience et la fidélité dans l'épreuve. Ne vous détournez pas de Dieu. Quelles que soient les situations que vous traversez, dans votre foyer conjugal, dans votre famille, dans votre maison, dans votre lieu de travail, partout où vous serez, quelles que soient les situations auxquelles vous serez confrontés, gardez toujours la patience. Sachez que Dieu va parler. Sachez que Dieu va agir. Sachez que Dieu va se manifester devant vous. Il le fera. Cette promesse de Dieu sur votre vie, qu'il vous le fera, cette promesse ne va jamais rater. Cette promesse ne mentira jamais. Cette promesse va s'accomplir. Et certainement, c'est Dieu même qui le dit. Et c'est pourquoi il dit, écris-le, grave-le sur la table. Mais bien-aimé en Christ, il dit que c'est lui qui donne la guérison. Même si vous êtes malade, écris-le que c'est toi qui donne la guérison. Écris-le. Écris et lis ça chaque temps. Il faut le lire. Passez toujours à l'aide que c'est toi qui as dit ceci. Donc je t'attends. Et vous allez voir, il va vous parler. Et après, après avoir fini de vous parler, vous allez voir, il va agir. Et cette promesse sera accomplie. Ne vous souciez pas. Ne vous tuez pas. Que je n'en ai pas ça, que je vais mourir, je vais faire ceci. Non, en Dieu, il n'y a pas ça. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu Alpha et Oméga. Ce qu'il dit, il le fait. Et il assume. Le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 12, nous dit, il veille sur ce qu'il a dit et il l'accomplit. Nous le conseil. Eh bien, il est venu de l'élève. Nyabrela, Habakkuk, mais Agbalem. Habakkuk, et Nyabrela, mais il est pour me, mais concours gando. Faut être un grand Agbalem. Et ma belle, on a Agbalem de Kakou, on a Agbalem, et belle, c'est peu de temps. C'est peu de temps, toi. Habakkuk, de Yemen Kouni Fafa. Il m'a vu Fafa, il m'a dit que je suis en train de me faire. Il m'a dit que je suis en train de me faire. Il m'a dit que je suis en train de me faire. Il m'a dit que je suis en train de me faire. Il m'a dit que je suis en train de me faire. Il m'a dit que je suis en train de me faire. Il m'a dit que je suis en Les noms fidèles. Bon. Les gens qui ont été les MEPO, ils me sont en ligne, ils me sont en droit et en avant. Et après, ton lien, Habakkuk, et de Bepan, Mao me gagne, et Dirana, Mao, et mon son, pourquoi Dirana, Mao, tout en cas, Mao. Bonjour, le conseil. Et puis, comme je disais, nous ne sommes que, alors, nous sommes en train de nous faire.
Le juif ne vivra pas la foi. Parce que à me jojo n'a pas agbero. Ya nya ne ka nya nya nyebe nebe amme jojo mi. Amme jojo ni yo ego mi nyebe yebla be e o yo mi a e ko mi a ti e yo wo mi jojo e. E te be nebe bondodro condamnation fobugo. De que ben le mi amme agbedio. Enfin, nous venons dans les plaines. Et nous ne nous dînons. Et nous ne nous dînons pas. 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 Quel que soit le problème, quel que soit vos lamentations, sachez que vous sortirez vainqueur dans la patience et dans la fidélité à Dieu. C'est la seule clé que je vous donne aujourd'hui. Mes bien-aimés en Christ, gardez votre patience à Dieu. Gardez votre fidélité à Dieu. Et surtout, sachez que votre foi vous sauvera et votre foi vous donnera la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Mais maman nous venons dans le premier. Et un peu bon, ne débrouillez rien. Mais nous voyons rien. Nous voyons rien. Nous voyons pour rien. Maintenant, nous voyons pour ah, donc nous sommes. Mais dis maintenant, n'y a c'est Yahweh qui est. Mais dis bien Yahweh ne fout nous pour rien. Maintenant, nous soignons le dodo. Nous soignons le dodo, le n'y a pas de rien. Mais nous serons manifestés. Nous serons tous amour. Nous serons tous là. Nous serons tous là. Mazi pima bok esinu ma bok aleluya mazi pima bok esinu ma bok awa Mazipi mabo, esinu, esinu. Ati chikasi akuni kwe mosia.
Est-ce que tu peux chanter ceci avec nous? Je vais me taire et je vais l'attendre jusqu'à ce que celui-ci se manifeste dans ma vie. Je vais me taire et je l'attends jusqu'à ce qu'il se manifeste. La vitrine, dans le Pupunami, l'Englishman. Alléluia. Pour la Seigneur, tu n'as pas arrivé. Today, our scripture reading has taken from the prophet's book, Habakkuk. The prophet Habakkuk. Now, one thing we should know is that today's sermon was a continuation from last week's preaching. It is a reminding. It is to lay emphasis on who we are as believers. The journey of being a Christian, the journey of being a believer is not easy. For we know it comes with so many problems. It comes with so many blasphemy. It comes with so many sins. It comes with a lot of things. But this again is to give us a reminder, as the theme is patience in trials and suffering. For a Christian is made, and it's been noted by the Bible that we're going to have long suffering. But it takes the grace of God, and for we to believe and trust in Him in order to get it accomplished and done. Now, the theme that the Bible gave us was the Lord's answer to Habakkuk. And the preacher gave us patience in trials. Now, Habakkuk, a man, a prophet, who was more concerned about why righteous people suffer? And this question pops up. He said, so why are you silent while they destroy the people who are more righteous than they are? He asked God. What was God's response? When you read in Habakkuk 1-13 that I got it from, he said, the Lord answered was that He would take action in His own good time. He would take action in His own good time. Plus, chapter 2, verse 4. They said, meanwhile, those who are righteous will live because they are faithful. So, if you know you are righteous, if you know we are walking the faith of God, the righteous way, you should know we're heading towards a good price. But in His time, in His own good time, He will come through for us. Now, there are four things that are kind of are derived from it, from the four verses that they read. The first one was waiting unto God. They say he was on the tower waiting on God. The second one was writing it down. If you have your convictions from God, if you want to post your distress to God, sometimes in order to make assurance, for you to make it like in a crazy way, that if never went out, if God don't do it for me, unless He come through for me, I'm still going to hold on to Him. You see how Jacob was holding on to the angel?
That said, unless you bless me. So we should write it down, bend it down, post it on your wall, put it on billboard. Just to create an assurance that you serve a true and a living God that is going to come true to you, come true for you in his due and time and season that he has set aside. The three is timing. Also talking about God's timing. In his time, he maketh all things beautiful, saith the Bible. And the fourth one was two categories of people that were described. A proud and righteous man. Now, verse 4. It's been kind of like, when they say proud and righteous, we have the lost and the found. We have the right and the wrongdoers. We have the saved and the condemned. We have the believers and unbelievers. We have the saved and the redeemed. We have all these kind of people. They are two different kind of people, but they come with different types. Now, verse 3, talking about appointed time. But the word has made it known unto us that know that we can have delay, but delay is not denial in Christ. If it's been delayed, it is not a denial in Christ. Though it may tarry, wait on God. Though it may be long, wait on God. The Lord says in his time, he maketh all things beautiful. And also, it cannot be immediately sometimes, but definitely he will come true for us. Amen. Now, verse 2 says, surely, when it said it has been written down, when you repent it down, yeah, God knows you have written it down. If I don't do it for my son, my daughter, he's going to lose interest in me. No, I'm not kind of like coming through. So he really need to kind of like pen it down for him to know that, yes, God, you see, I put it down. Now, a scenario was given about Anna. Anna was longing for a child. He cried to the extent that they even convinced him to be a drunkard. But to her, she knows what she wants from God. Therefore, she persists, perseverance. She do what she expected, what she was expected to do. Therefore, when we pen it down, continue to call on God, he knows that, yes, this is what we want, and it shall surely come to pass in due time and due season. It's a signature of what needs to happen when we write it down. And also the hope that was made physical for us, that God, I am certain that this will surely come to pass. And indeed, he will come and make it come to pass. Now, back to verse 1. When we are waiting, it calls for patience. Whilst being patient, you are expecting something, so you should be expecting something for him. And whilst doing that, it should be done with a wholehearted, being faithful and committed to him. And we know the benefit of this waiting comes with the patience again, the hope, we be relieved, and it feels good to be in Christ, that we shall feel so awesome when it is done. And all this shall renew our strength daily on daily basis. Now remember, God is always in control. He is the author and finisher of our faith. And that God is God of salvation. Therefore, we should continue to call upon him, expecting him, trusting his timing, that in his time he shall make all things beautiful and nice in Christ Jesus. Amen. 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 Ke miato ni pawe gama ke miato ya adu bram nano katanji ape melo bu ma fisa fiske ne lela chone mia adu beda ale si ke mia se mo mi se monya ya nanu le di aglo a ye ho mau je t'attends je m'attends à toi mazipi mapo em si ke o gene le nan la ata mia adu beda. Aye, mieux quand t'as mis des tabous. Après, mais le loi fiche fiche qu'elle est là. Des tabous ne vont pas à tout bêta. Corinne, nana, c'est que mon ton est nadi. Après, il va m'obéir. Mais la somme, mais zippy, ma consigne au gain de l'an là. La même belle, on coume. Des tabous ne vont pas à tout bêta. Baisse la tête et prie sur tes offrandes et dis à Dieu, je m'attends à toi.
bénis-moi, protège-moi, garde-moi, dirige-moi, enseigne-moi. Baisse la tête et prions. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ayez souvent comme Yemie Dobralé. J'ai envoyé d'Akpenobé sur Kata Ovem, à l'Essiké, Yokata, Mission et Pierre, le premier qui me dit Tioa. Akpenobé, Kata Ovem, elle a bé, Yazipé, Niako, au mort, passé nous, à comme si que Ogun et les Namila, et d'Akpenobé. Ouais. Ayez souvent comme. Amen. Amen. Et il trop aïe, musique pas fadie, il trop de l'école. Wangu wasima wamilele.
Comptabilisé tout au long de la semaine, 463 $ 42 et dollars à l'offane et blade voton clair. Il y avait peine blade vové que maouné ira n'y avait sur Katan les initiatives. Nous ne pouvons pas micro à dire. Que Dieu bénisse tous ceux qui participent et tous ceux qui envoient leur offrande à travers Zelle, Cachap, à travers différents moyens. Que Dieu vous bénisse parce que personne ne vous force pas, mais vous avez fait de vos cœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Ne vous connaissez pas comme il y a la ténèbre, comme il y a d'autres humides, père de coups, il y a un résumé vichéné. Mais c'est un record. Ok. Grand frère Michael, grand frère Koji, Berlin Yago. Yo, akone Fred Jolly. Nya cha gamme a titre nyam Mike Anos school ya na nami cha. Okay, akwe vice. Akene amesi amekele e kamera. Ma o yit neira mi. Sele ke mbla ne ma o neira mi an obi ko chae. O dila no kame kumi. O so kurundo ta o mtino kame kumi wa. Ya jira nek bangburu wachanwazi gamya sitiru mianti nyawe chacha nyati eve dole miangbofia ba ele ni wora pak ni so kosira gwe kekmana emile ya zomola edo gringo ayudo wora pak ta kemik bulina ele di gong 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 mi tepe abe ya misiame
c'était le dit agbeto que dia yaou sous bobi de nemi bou amo ko we nani ko ko de vieux joint mais les ici à mes blam à ton année à mes 50 à peu près donc ça veut dire que nombre beaucoup de il est ta doc le hal au dosso ne veut nous ti nous ko we mi lao alebe ya ba jedia doc le hal au do so dit ta ni so considère que les miens avaient dogo mais ce que dia mais ça me n'y avait ni so considère que mais les dates à son moi bon détail vu que le nom tient ni bleco Mila Jo, les filles a gagné, dès qu'un gagné, tout ou quoi, Mila Jo, a me laissé à l'année sobre, à l'évé gagné à Mila Jo, parce que m'bé chima n'est mon don, qu'en dit à boss que m'y da, et professionnel le bé boss, y'est gamme que m'y na ouya, ou la nof, n'a tout tout, n'est ou amélo tchingé, ministre de cas, que ouan ou la raté, boss a ou matin, bak, bo, et goum le l'équipe nous, bon, m'im djibé amélé n'est raté, l'équipe nous, ta amélé sa l'évan ou gamme dit gagné, fi ke mila dogo le leni Presbyterian Church be parking lot a di ya pata mi a po puro funa gani tututu ta so kube wanti ya ni so po sila gya mi mano zoom me o church imana ele zoom jo boga ke ya mi a ti a subo le mon zon zon ane ta mi a so mi a be biblo so do a si nuko mi a te so jiha a kafuma wa mi a te wefa ne mi lo mi a mi a no jiha a no subo kaka mi a do te pe a ta mi a mba mono bio baso yi edia Il y a deux décibels au parc et mille. Mais il y avait mille à dire à l'union de l'Ibarhoumé. Pour surtout pour le même bangoumé, il y a un soir où il y a des soirs dans les miaroukou. Namé de vie doucine, namé de vie à nos papes, à l'aise 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 Ne pour midi 30, soit carica pour nous, mais là, à Wondubaye, nous, Nakatamia, nous, ensemble, et vous trompez, qu'elle a possédé, gâton, ou fin, mais là, Jolie, Paca, Agbado, ta fille, va prouver, Bémon, Milazon, Agbasova, Mbotome, les filles. Et en un seul mot, je parlais du voyage de Wampa qui se tient le 31, ce qui fait que dans 8 jours, le dimanche prochain, nous ferons ce déplacement sur le Wampa de Greensboro. À cet effet, le comité s'active pour pouvoir faire de ce déplacement un succès. Et nous sommes au total 50 personnes à peu près qui font le déplacement. Il y avait un bus qui a été alloué déjà dans ce sens. Et le temps de départ, ou bien l'heure de départ, ce serait à 8h00. Et soyez à l'heure, parce qu'après 8h, si quelqu'un rate le bus, et ce serait fini. Mais nous croyons que nous serons tous à l'heure, à 8h00, nous serons là. De deux, et à cet effet, on n'aura pas de service sur le Zoom, comme on le fait aujourd'hui, mais on peut louer toujours quand on fait le déplacement. Donc, n'hésitez pas à apporter vos Bibles, tout ce qu'il faut pour pouvoir louer Dieu. Et n'oubliez pas aussi d'avoir les repas qu'il faut, l'eau, tout ce qu'il y a. Nous aurons à manger ensemble de 12h30 à 13h. Nous allons passer un bon temps là-bas et vers 15h30, nous allons retourner vers Charlotte. Et so yi edia be fan de vidéo les miens bon le que be fan de bon ben mai be fan de dia mia no via mes grands ou koué alors mia fo fo koué mia to mi la tout mia be fin a mes gérelo ou evo pena ou me ko ko wa mia de pou gare yo kakala na et so mi on wa wa so be ga so da a mes grands ko ji et be fan de bon ki ba mia wa ape dada be fan le Et mia be sista, mia novi, mia dada, étonnant à tisso. Et pour me pomer, ou les dos, à que mania bonnet de n'entourons. N'en que be ou l'obé à bémé, et perica, badje, et pedinao, et yé, kudo, et via, maximus, et mes sans vie, ou l'obé d'ibézan. Elle que veut dire ça mais au le dos à peine toro non et dit le jour où ma ou bada pero et pedinao et so we noa au so ega $100 so au remerciement elle que $100 et va do choti abota mia so so de avec bidura mais ni mi aux allez mia dit et dit besan be et hanao et elle que minia juillet mais mille dit besan ko le roi et elle ni étonnant et avec du besoin les nids non tout au moins maximum mais sans vie 21 juillet et au triabé 21 et il y avait du besoin
et Noa Toleni 22. Donc, et Noa Claude, il y a deux états. Et le mois de juillet, Mia Bévi, Kouvena Bé Markel, Keleni et Sénam, Isabelle Bévia, et Adunaïbe Dibézan le 25 juillet. Et toi, encore, voilà, valet, considérablement. Ta le mia beaucoup fond, mais Mia Dumpu, Wadji, ne Mia Bior, Bemaou, ne Nopou. Les annonces que nous avons à notre niveau, nous avons l'annonce venant de la sœur Etonam qui remercie du fond de son cœur Dieu pour tout ce qu'il a fait pour elle, ce qu'il a fait pour toute sa famille pendant toute une année. Elles ont souffert de nouveau une bougie de plus, elle et son enfant, et qui est Maximus Messanvi. À cet effet, ils font un remerciement de 100 dollars pour remercier Dieu. Nous sommes en juillet, nous avons d'autres anniversaires aussi, et nous avons l'anniversaire de notre fils Markel, qui est le garçon à notre sœur Isabelle et Sénam. Elle fête son anniversaire le 25 juillet. À cet effet, nous demandons à tout un chacun de nous de les garder en prière et pour que Dieu puisse les accorder plus de grâce. À la fin de ceci, nous allons prier la congrégation de chanter Happy Birthday pour eux. Et voici en bref ce que j'ai. Et s'il y a quelque chose à ajouter, je vais demander au comité ou bien au vice-président de l'ajouter avant que nous ne passions à la chanson de Happy Birthday. Merci. Oh, il n'y a plus rien à ajouter. Ce que on devait dire, et Jolie l'a déjà dit, et à la fin, on demande au comité de rester. OK. Ouais. Voilà. Merci. Donc, à cet effet, nous demandons humblement à tout le monde de se lever pour qu'on puisse chanter Happy Birthday pour ceux qui ont soufflé une bougie de puce. Et mia de koukoune, ramia patane mia nocte. C'est le que mi wone kouane, mia tout mia nocte, mia di, et di bezan nye, be, et hana ou lou. Olivia, can you help me with this? Olivia, Faith, are you guys there? Hilda. Uh-oh. Oh, can't speak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh,
Nous avons un Amen.